C'est une véritable tragédie qui a eu lieu ce vendredi 5 novembre. Alors que des milliers de personnes participaient au festival Astroworld, un mouvement de foule a fait 8 morts et des dizaines de blessés. Sur scène, le rappeur Travis Scott, qui dans un premier temps s'est aperçu de rien, a été contraint d'arrêter sa prestation devant ces scènes de désarroi. Les gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance et cela a créé une panique supplémentaire, a déclaré samedi le chef des pompiers de Houston, lors d'une conférence de presse. Au moins 23 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont un garçon de 10 ans, selon les autorités. On estime que 300 personnes ont été soignées par l'hôpital qui avait été installé sur place pour le festival. Peu de temps avant le drame, la compagne de Travis Scott, Kylie Jenner, a posté plusieurs photos et vidéos de sa présence sur le festival. Et elle n'était pas seule, puisque sa fille Stormy, âgée de 3 ans, était à ses côtés. On peut voir la petite fille, de dos, en train de regarder le show de son père. Kylie Jenner était également accompagnée de Kendall, sa sœur, et par plusieurs membres de la famille du rappeur. Des clichés de famille touchants, mais qui ont aujourd'hui un goût bien amer. Le clan Jenner Scott a d'ailleurs été déclaré sain et sauf. Kylie Jenner, je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. Kylie Jenner a d'ailleurs réagi quant au drame qui s'est déroulé durant le concert de son compagnon, je tiens à préciser que nous n'étions pas au courant des décès jusqu'à ce que la nouvelle soit connue après le spectacle et que nous n'aurions jamais continué à filmer ou à jouer. J'envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. De son côté, le rappeur a lui aussi présenté ses condoléances aux familles. Loading DJ.